Voilà, bonjour et bienvenue sur la suite de nos épisodes sur Fallout, épisode 5. Donc j'avais tué cette bande de voyous là, qui était là, qui nous avait bien emmerdé, putain. Alors, donc il faut que je m'occupe du Griffemort maintenant, il faut que je m'occupe du Griffemort. Alors, j'avais juste regardé les touches. Ah voilà, c'est ça. Putain de merde. Donc ça veut dire... Si je fais ça par exemple, si je fais ça là... Et si je me mets un flingue là... Fait... N... Non, c'est pas ça, M... Alors là je tourne mon perso... Non, ça c'est pour rentrer en mode action... Donc non... Putain, il doit bien y avoir... Il y a une touche... Pour switcher d'armes. Ça c'est inventaire... Ça non... Putain, il y a bien une touche... Ah oui, ça me permet de... D'accord. T, F, G, H, J, K, L, M. M. Non. Putain, il y a bien une touche qui permet de switcher avec l'élément 2, putain. Putain, c'est ça. C'est B, putain. Eh ben c'est pas trop tôt. Du coup, boum. Ah ok. Mais putain, ça me met qu'un seul Steam Pack en fait. C'est ça qui est chiant. Je peux pas en mettre plein là. Non, je peux pas. Ou alors faut que je mette un flingue par exemple. Là, du coup, si je fais B, voilà, il change d'arme. D'accord, j'ai pigé. Putain, c'est la touche B, bordel. Et N, c'est ça. Ok. Putain, c'est bon à savoir. Vas-y, je vais rengainer maintenant. Je vais me garder le fusil. Donc, comme ça, j'ai juste appuyé sur B pour... Voilà. Ok, alors, lui, c'est qui, lui? Voici Slappy. Salut Slappy! Oh, jolie, jolie chose. Pourquoi y a-t-il une lune? J'ai parlé à Harlock. Le Griffemort a l'air redoutable. Que peux-tu m'en dire? Le Griffemort, le gris-gris Griffemort. Allez, que sais-tu sur le Griffemort? Le Griffemort est effrayant, vraiment effrayant. Mais il a l'air d'avoir du goût. Tu veux le voir? Tu peux me conduire au Griffemort? Ouais, le Griffemort, on va aller voir le Griffemort. Tais-toi et conduis-moi là-bas! Ok, nous voici dans le... Donc, chez le Griffemort. Donc, une petite sauvegarde s'impose. Vas-y, je vais sauvegarder là. Voilà. Ok, on se boit un petit peu de café. Voilà. Et puis, on se charge. Exploser. D'accord. Voyons voir. Où qu'il est ce Griffemort, mes couilles là. Où t'es toi? T'es où toi? C'est quoi ça? Coquille d'œuf. Oh putain, c'est lui. Il y a pas grand chose. Il est là. On va lui défoncer son Griffemort. Oh putain, il arrive. Qu'est-ce que j'ai? Explosé, simple. Vas-y, le torse. Boum. Ah putain, ça coûte cher en...
50 chair en poids d'action. Vas-y, je vais me casser. Voilà. Boum. Ensuite. Putain, il est costaud, hein. Boum. 14 points d'impact seulement. Bon, bah vas-y, la tête, là. Tiens. Était très gravement touché pour 39 points d'impact sous un coup d'une force inouïe. Vas-y, je m'écarte encore. Oh putain, ça y est, il frappe. Oh, il fait mal. Vas-y, je te tire dessus, dans les yeux. Boum. Une grave blessure est infligée. Alors, je vais me remettre de la vie. Je vais me remettre ça. Encore un petit coup. Voilà. Ouh, il a l'air de faire vachement mal. Yeux. Ok. Je vais me remettre de la vie. Oui, il va me coûter cher en steampack, lui. Ah putain. Ah zut! Zut! Ah, il va me buter là. Oh putain, il a failli me buter. Ah, j'ai eu du pot. Fait. Là, j'ai eu du pot. Tiens, je t'ai buté. Voilà, il est mort. Le griffe mort est mort. Et il a rien sur lui. Qu'est-ce que c'est ça? Un mutant mourant. Vas-y, on quitte ça. Voilà. Un mutant mourant. Maître, ça s'est passé si vite. Ah, mes frères étaient partis, aucune aide. Qui es-tu? Je ne m'en souviens pas. J'étais le chef de... C'est peut-être mon holodisque, le mutant, hein, un holodisque couvert de sang. D'où venais-tu? On recherchait des normaux de premier choix, on venait du nord-ouest. Qui t'a envoyé? Père, où es-tu, père? Oui, maître. Le mutant rend son dernier souffle se fondre. Plaf. Faille. Putain, j'aurais bien troqué avec lui. Il a une radio, je prends sa radio. Allô, les mutants, j'arrive. 1000 points d'expi, ça y est. Les œufs, je peux rien en faire, ok. Bon, bah écoutez, les griffes morts n'étaient pas si... Bon, j'ai eu une petite frayeur. Mais ça va, je gère. Allez, cassons-nous. Vas-y, je regagne mon arme, j'en ai plus besoin. Très bien. Alors, Water Merchant, Old Town, la vieille ville. Donc, je vais retourner. Je vais retourner au centre-ville. Ouais. Alors, le centre-ville, voilà, c'était là. Et c'était lui, là. Le mec qui était là, là. Qui m'avait demandé de le buter. Ce butch. Tu toucheras 500 pièces quand tu seras en mesure de dire à Butch ce qui est précisément arrivé à toutes les caravanes qui ont disparu ces derniers temps. Alors, rassemble toutes les preuves que tu trouveras d'après. Moi, c'est un coup de ces fichus marchands d'eau ou de ces excentriques de la confrérie de l'acier. Butch, je pense que c'est une griffe de la mort ou je ne sais quoi, va voir. Bef, ok. Merci, au revoir. Ok, mais je veux aller voir. Ah, voilà. Butch. Eh bien, les nouvelles, c'était les mutants, c'était quoi déjà ma mission? C'était les mutants. Quoi, est-ce que j'ai l'air d'une mauviette? As-tu seulement vu le griffe mort? J'étais là, je l'ai vu, je l'ai tué. Tu l'as tué? Alors, d'où viennent ces mutants? Je sais pas encore, mais ils ont un avant-poste dans les montagnes.
Un avant-poste. Faut que je parle au comité. Ouais, c'est ça. Ils sauront quoi faire. C'est bon, Phil, j'ai affaire, d'accord? Fait. Et c'est tout? C'est tout? Où est ma récompense? Adresse-toi à Rutger. C'est lui, d'accord. Salut, que puis-je pour toi? J'ai découvert ce qui est arrivé aux caravanes disparues. Vraiment, alors qui sont ces ordures, les marchands d'eau? En fait, c'était un groupe de ces énormes mutants. D'énormes mutants ont détruit mes caravanes, c'est presque aussi drôle que cette histoire de Griffemort. Eh bien voilà cet holodisque, qui appartenait à l'un des mutants. Eh, je sais utiliser ça, il y a longtemps, après une mission de reconnaissance à la confrérie, Butch a rapporté un appareil qui permet de lire ces trucs-là. Voyons. Oh pardon, mais je ne te croyais pas. Ce n'est pas de bon augure pour les types bien. Tiens, voilà tes 500 pièces. Allez, prends-en 800, vas-y. Allez, prends-en 8000. Et merci de ton aide. Si tu cherches du travail, n'hésite pas à revenir me voir. Fire. Ok, c'est bien, on a pris un niveau. Beau parleur. Les beaux parleurs s'expriment bien sans forcément comprendre de quoi ils parlent. À chaque niveau de cette aptitude, tu reçois un point d'intelligence à des fins de dialogue uniquement. Bonus attaque corps à corps. Bonus déplacement. Tu reçois 2 points d'action gratuits pour les tours auxquels... au cours desquels tu peux uniquement te déplacer. Autrement dit, tu peux te déplacer sur 2 cases libres à chaque tour de chacun des niveaux de cette aptitude. Avec cette aptitude, tu apprends plus vite. À chaque niveau, tu reçois un bonus de plus 5% lorsque tu gagnes des points d'expérience. Est-ce qu'il faudrait pas que je continue sur élève vif? Ennemi amical. D'accord, intuition. Mangeur des serpents. Loïs. Poche. Le coût en point d'action pour accéder à l'inventaire pendant un combat diminue d'un point. Ça peut être pas mal, ça. C'est tout ce qu'il y a. Putain, je serais quand même tenté de prendre élève vif, moi, mais bon... diminue d'un point... non, mais je vais prendre élève vif. Vas-y, je vais reprendre élève vif. Voilà, je suis niveau 2 d'élève vif. Alors, arme légère, arme lourde... secourisme, passe-partout, voilà. Sans la bonne clé, l'utilisation de passe-partout classique ou électronique améliore sensiblement cette compétence. Vas-y, je vais encore me booster ça, là. Voilà. Je vais au moins me mettre à 100% sur passe-partout, là. Ça me dit bien, ça. Fait. Ok. Alors, qu'est-ce qui me restait? Donc, 1000 points d'expérience, ok. Non, c'est pas ça. Pipe, statue, le centre. Ah, liquide Jane. Ok, nous allons liquider Jane. Elle est où? Elle est où? C'était pas en bas? C'était pas ici, là. Il me semble que c'était ici. Est-ce qu'il se déplace, mon perso? Je sais jamais s'il se déplace. Non. Quand c'est trop loin, il se déplace pas. Et il est un peu bête. Tu as perdu 6 points d'impact actuel. Quoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai perdu 6 points d'impact? Ah oui, là c'était les Hightower. Ouais, non, donc c'est pas là. C'est pas là. Faut que je remonte, sûrement. Ah, ou alors c'était là-bas. Eh oui, ça devait être là-bas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à cette madame?
Est-ce qu'on se la bute froidement? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'aurai? Oui, on va se la buter froidement. Si je recharge mon flingue. Tout fait. Et puis on va lui dire bye bye. Tiens, je vais fouiller son bureau là. Ok, y a rien. Alors je vais me mettre pile en face de toi. Je prends mon flingue. Je passe en mode combat. Et je te tire dans les yeux. Attends. Avant de faire ça, avant de faire le con, j'oublie. Il faut sauvegarder. À sauvegarder. Fail. Oui. Fail. Ah là. Allez, je lui tire dans les yeux. Boum. Tiens. Et je peux rien faire de plus. Du coup, je vais te donner un coup de poing dans la tête. Boum. Ok, ils viennent tous. Oh putain, ils viennent tous là. Ok, bon, bah, je vais devoir tous les tuer. Ok, j'ai bien fait de sauvegarder. Très bien. Donc, boum, je recommence. Je vais bien me préparer. Je vais me mettre. Je vais ouvrir cette porte-là. Porte est verrouillée. Je vais prendre ma capacité passe-partout. Je peux pas utiliser. Passe-partout. Hé, hey, qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux me filer un coup de main, la porte est coincée. À te faire foutre, si tu recommences ce genre d'idiotie, je me charge de te descendre. Hé, il est marrant, il est marrant. Vas-y, c'est fort, comment ça? 4, 11, 3, 11. Vas-y, je vais me prendre ça, je vais mettre ça, en fait, je vais mettre ça comme ça. Voilà, mon fusil est chargé, tout est chargé. Et donc là, est-ce que c'est ouvert là? Ok, là c'est ouvert. Donc je me mets là. Je change de flingue. Je passe en mode action. Et lui, je peux le viser. Ou lui là. Lui. La torse. Boum! Mais je me planque. On va les laisser venir. Tour. Ah, j'ai pris l'initiative. Ah putain, ils jouent deux tours, ces enfoirés. Vas-y là. Toi là, dans la tête, dans les yeux. Plaf! Et je me recharge en vie. Voilà. Hérétique! Ah, ça y est, elle a pris peur. Ok, suivant. Toi, les yeux. Je vais te descendre. Et je me recharge. Il faut que je me rachète des Steam Packs. Oula, ils font mal les deux là. Non, lui il fait pas mal. Vas-y, lui je vais le finir dans les yeux. Eh, il est costaud. Tu es costaud toi. Ça, il a pris peur. Meurs au nom de la flamme. Toi. La tête. Boum.
Steam Pack. Tu fais pas très mal, hein, le petit. C'était le médecin, lui, je crois. Boum. Et la tête. J'ai explosé la cervelle. Eh, ils sont résistants, putain. Mais tu as aucun pour l'instant. Boum. La tête. Voilà. Et je vais. J'ai encore suffisamment de munitions. Mais je vais recharger quand même tant que j'y suis. Non, c'est pas ça que je veux faire. Tout, voilà. Ça y est. Boum. Et toi, je te défonce la tête. Voilà, tour. Unité. Allez, décimale dans tes yeux. Bon putain, je vais viser les yeux, ça lui a explosé le bide. Allez, je vais me faire les autres. Toi là, dans le dos là, boum. Je l'ai eu. Et tiens, je vais me rapprocher. Ah zut, il s'est barré. Est-ce que je peux te buter? T'es qui toi? Bon, ils ont pas l'air méchants, eux. Si, je vais le buter, lui. Dans le torse. Boum. Torse. Voilà. Et voilà, c'est fini. Ça fait pas mal. Voilà, je leur pique les trucs. Voilà, lui, il a pas branché. Hein. Tout va bien. Tiens, je vais rengainer mon flingue. Et elle a rien sur elle. Bon, eux, ils ont pas l'air méchants. Je vais pas leur faire de mal. Alors, eux, ils avaient quoi? Boum. 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 Et boum. Ok, et lui il avait rien. Bon, ben maintenant je peux essayer d'ouvrir cette porte là. Hein. Plus personne m'emmerde. Voilà, skill. Passe-partout. Tu déverrouilles la porte. Bien joué, mec. Eh, j'avais pas essayé ça. Dans la cave, là-bas, où il y avait des gens, là. Ah, il y a plein de trucs, là. C'est bon, ça. Tout, hop. Et Steam Pack, parfait. Ah, il y a une tunique. Putain, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Ah, ça y est, j'ai plus de place. Merde, je n'ai plus de place. Faut que je troque avec quelqu'un. Toi. Un troc. T'as quoi? Merde, il a rien. Au revoir. Il y avait pas des mecs en bas, là? Si, il me semble qu'il y avait des mecs. Tiens, il y avait lui, là. Est-ce que t'as des trucs, toi? Non. D'accord. Ici, il n'y a rien. Eux, là. Marchand d'eau, ok, il veut rien dire. Il veut rien dire, il veut rien dire. Toi, troc. Ok, t'as des trucs. Tout 221.
Non. Radio. Non. C'est quoi ça? Fiole d'eau. Est-ce que ça m'intéresse? Je sais pas. Couteau. Ça là. Ok. Ça. Non, ça. Ouais. Petite biche. Et ça, non. Ça, non, c'est trop. Offrir. Ton offre n'est pas satisfaisante. D'accord. Ça. Ça part du fric, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un disque. J'ai un disque. D'accord. Tiens, mais ça, en fait, je m'en fous, ça. Ouais, mais ça... C'est trop, c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce que je vais te filer? Bah, tiens, je vais te filer quelques... Ah, ou alors je me vire ces pièces-là. Il faut que j'en vire... Ouais. Voilà, offrir. Voilà. Au revoir. 141. Ok. Ça, ce serait bien de pouvoir avoir un coffre ou quelque chose. Tiens, le brahmin, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il va bien? Me, d'accord. Il y a quoi, là? Il y a des gens, là? Non, il n'y a personne. Je sais même pas si j'y suis allé. Est-ce que j'y suis allé? Je vois que les portes sont fermées. J'ai pas l'impression. Il n'y a rien. De toute façon, je suis sûr qu'il n'y a rien, comme d'habitude. Ok, il n'y a rien, super. Ici. Et il n'y a rien, c'est super, vive la France. C'est cool. Ok, alors avec qui je pourrais faire du troc encore là? Là, il y avait quelqu'un là-dedans. Non, il n'y a personne. J'ai regardé dans les étagères. Pff, ça me casse les couilles, il n'y a rien dans les étagères. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore là-dedans? Qui nous intéresse? En fait, il y a encore plein de trucs. Hein. En fait, je vais prendre le Steam Pack. Je vais prendre ça. 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 Et j'ai plus de place. Putain! Il faut que je vende. Tiens, lui, là. L'iguane rôti. Qu'est-ce que c'est? Plus d'eau. Ouais, non, ok. La troc. Ah, putain, il a que de la merde. Non, salut. Elle avait pas des trucs. Posez votre arme. Ah merde. Tiens. Ok, troc. Alors t'avais quoi? T'as pas du fric ou... Tiens, des munitions, ça peut m'intéresser. Tout fait. Ah ben voilà, 5000. Ah, et le fric à l'arrière. Le fric, ça me parle. Voilà. Donc je vais te refourguer, je vais te refourguer. Ça, je l'ai en double. Ça, je m'en fous. Ça, vas-y, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ça aussi. Tout feuille. Ok. Ça. Ok, on y est presque. Ça. Ok. Donc
là ça fait trop. Donc je vais reprendre un flingue peut-être. Ok, là on est pas mal là. On est pas trop mal. Je vais te filer. Ça. Non. Est-ce que t'as autre chose qui m'intéresse peut-être? Ah, des grenades. C'est toujours sympa les grenades en fait. Je vais prendre une grenade. Juste une. Merde. Ah, l'équilibre n'est pas bon. Bon, tant pis. Je vais te filer ça. Ok, je suis un peu carotte. Je suis un peu carotte, non. Voilà, ça. Feuille. Ah putain, je suis carotte, là. Vas-y, je vais t'enfiler deux et une grenade. Encore une. Non. Ah putain, j'arrive pas à faire le bon équilibre, là. Ça me casse les couilles. Ah, mais ça. Oui, très bien, ça. Et je te rajoute un peu de sous, là. Offrir. Non, c'est pas satisfaisant. Putain, c'est soit nous, on est carottes, soit c'est pareil, quoi. Putain, ils sont pas cool, là. Allez, je vais t'enfiler 34. Voilà. Ah merde, j'ai... je me suis planté. 34. Alors. Fait. Offrir, voilà. Non, au revoir. Ok. Allez, on va finir de récupérer les trucs et puis... de toute façon... Alors, on m'a demandé de faire plus court sur Fallout, alors je vais faire plus court. Alors, on aura tué le griffe mort et la Jane. Voilà. Voilà, et voilà, et voilà, et en charge, on est bon, et voilà, ça y est, on a fini nos objectifs, donc on va aller récupérer notre flouze. On va aller récupérer notre flouze, et puis, ça sera pour le prochain épisode, et puis c'est tout, hein, voilà, je vais faire la petite sauvegarde. Je vais sauvegarder ici, voilà, faille. Oui, et oui, et ben voilà. Et ben suite au prochain épisode, on va réclamer notre pognon. Et puis on va s'occuper du 4 d'équerre, puis je vais aussi aller voir là-bas dans la cave, si je peux pas essayer d'utiliser mon petit passe-partout. Allez, les bisous, à la prochaine, bisous, je vous aime.